juge d'instruction qui a instruit l'affaire a décidé pour te retendre monsieur. Donc il est nous matin de très tôt. Et puis nous venons avec monsieur. Non, il y a une question que je me posais toujours, ce qui a été fait. Non, mais pas oublier que l'on juge d'instruction a conduit l'instruction au dossier. Il posait toutes sortes de questions et une bonne information que quelqu'un a cherché à vérifier. Donc ça doit expliquer que le juge d'instruction, si quelqu'un a un estimé qu'il a des informations, il a attendu les gens autant de fois que le juge est nécessaire. Par exemple, les gens doivent deux mains. L'état de un co-détenu, co-détenu a des informations. Il pensait que le pasteur Sanon mieux informé pour lui donner des détails, il retourne à l'île. Donc, comprenez bien, dans le cadre de l'instruction, c'est des bagages qui sont répétés assez souvent. C'est les besoins de l'instruction qui vont déterminer est-ce que l'obtenir ou pas. C'est-à-dire que le client lui-même, l'a expliqué au juge là, qui sait qu'il connaît dans le cadre de dossier. Mais on connaît tout, en vertu du secret de l'instruction, et nous-mêmes, tout le secret professionnel que nous avons avec lui, nous avons un top détail. Mais sauf que ça ne me capable de dire, c'est que le pasteur Sanon, il était très confiant dans le processus là, et puis lui-même, il a travaillé pour qu'il soit capable de tirer l'affaire. Bon, naturellement, il est en train de se défendre. Donc, si on a une confrontation, on a venu, et puis on a répondu par rapport à la question que vous posez. Seul bagage que je suis capable de dire, nous, dans le cabinet d'instruction, on ne peut pas révéler ce qui a passé au cours de l'interrogatoire. Là. Parce que c'est vrai que la presse doit avoir l'information, nous-mêmes, nous devons communiquer avec la presse pour informer le grand public. Là. Mais seul ce que je suis capable de dire, nous, c'est que l'IG était extrêmement confiant dans le processus. Là. Et ça qu'on regarde ouais chaque fois que il est venu ouais que l'a défend tête lui une carte que il défend tête très bien valablement. Dans un processus judiciaire, on n'est jamais certain de la fin. Comment ça me dit non bien? On est tant que pas grand procès qui fait, mon n'a été présumé innocent. Et c'est au terme de procès où elle connaît exactement qui sa situation est. Parce que jusqu'à présent dans le dossier ça, on pas qu'être flou qui entoure il. Et ça fait que faut nous quitter, que faut instruction continue à avancer. Et au terme de processus, là, nous allons connaître exactement qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Et si le dossier a été évident, je vais terminer avec l'instruction. Donc, si jusqu'à présent, il y a un cours d'instruction. Et les gens que nous comprenons, l'instruction capable de durer des mois encore, c'est que toujours il y a des zones d'ombre que vous pouvez élucider. Le 7 juillet, l'ancien président Jovenel Moïse, les mourir la Kaili, bon, certain nombre de monde. Que accusé dans le cas d'assassinat ça, donc parmi lesquels le pasteur Christian Emmanuel Sanon. Maintenant la police a fait une descente des lieux, ils ont arrêté lui. Mais ça pour que nous songer, c'est que le pasteur il est présumé innocent. Parce que grand problème en Haïti, c'est qu'en Haïti nous traitons nous comme des présumés coupables. Or le grand principe par un présumé coupable, c'est que nous est présumé innocent. C'est pas lui qui pourrait établir l'innocence. Il est présumé innocent. Il revient au commissaire du gouvernement et à juge d'instruction éventuellement pour joindre des charges et indices contre lui. Mais lui, il est innocent. C'est moi qui peux venir avec pouvoir qui peut montrer que les coupables.